Ok, salut, salut, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de vraiment intéressant, quelque chose qui vous permettra de gagner à chaque fois des revenus en ligne, comme les applications précédentes que j'ai eu à vous présenter. Alors, vous savez qu'il existe des plateformes en ligne qui permettent de faire des placements et de pouvoir gagner des commissions à travers ces placements. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer une plateforme qui est intéressante, une plateforme qui est exceptionnelle par rapport à ce que vous avez déjà eu à utiliser. Ce site web ou encore cette plateforme est appelée TetherTax et à travers cette plateforme, vous allez pouvoir gagner vos premiers revenus en ligne sans avoir fait des placements. Vous allez pouvoir gagner vos premiers revenus en ligne sans effectuer assez d'efforts, sans pouvoir prendre assez de temps pour pouvoir faire cela. Alors, si vous regardez bien, vous allez juste avoir besoin d'une certaine somme dans votre portefeuille électronique et la porte est... Et le portefeuille électronique ici, ça sera le portefeuille Token Pocket. Donc, vous allez juste avoir besoin d'avoir une somme dans votre portefeuille électronique qui sera directement liée à cette plateforme, qui sera directement liée à cette application. Et à travers cette somme, vous allez devoir donc faire des placements sur plusieurs plateformes comme Amazon, comme Target et bien d'autres. Et à travers ces placements, vous allez donc pouvoir gagner des commissions. Alors, je vais donc dans cette vidéo vous montrer comment pouvoir créer son compte, comment pouvoir lier votre portefeuille Token Pocket avec cette application TetherTax. Et maintenant, vous allez pouvoir commencer à gagner des commissions. Très simplement, vous allez pouvoir commencer à gagner des revenus avec cette application et vous pouvez avoir jusqu'à une très grande somme par jour. Alors, n'est-ce pas intéressant? Allons-y et je vous montre la procédure. Comme vous pouvez directement le voir, on a ici le site officiel ou encore le site direct de la plateforme TetherTax. Alors, on nous demande ici d'enregistrer un compte, de créer un compte pour pouvoir directement accéder à l'application. Je tiens également à préciser que avant de créer un compte, soyez-en sûr d'avoir un portefeuille électronique. Et le portefeuille électronique pris en compte actuellement par cette application, par cette plateforme de génération des revenus en ligne est Token Pocket. Donc, si vous n'avez pas encore Token Pocket dans votre téléphone, rendez-vous sur Play Store si vous êtes sur Android ou encore sur App Store si vous êtes sur iPhone. Token Pocket. Et vous lancez la recherche. Vous allez voir ici que ça met directement ouvrir chez moi parce que j'ai déjà eu à télécharger cette application. Donc, vous allez télécharger également sur vos téléphones et puis vous revenez maintenant. Alors, une fois téléchargé le portefeuille électronique, rendez-vous maintenant sur le site officiel et vous vous inscrivez. Vous suivez juste la procédure d'inscription comme je suis en train de le faire. Alors, donc, la première chose à faire, c'est de commencer par s'enregistrer sur la plateforme. Donc, on va directement mentionner ici notre numéro de téléphone. Puis, directement le code CAPTCHA pour pouvoir confirmer notre inscription. Alors, on appuie sur enregistrer et directement ça nous dit que nous avons pu nous enregistrer sur la plateforme en question. Alors, on va directement se connecter pour voir comment est-ce que la plateforme est constituée. Alors, on est directement connecté sur la plateforme. Comme vous pouvez voir ici, on nous dit bienvenue sur TetherTax. Comment gagner de l'argent? L'étape numéro 1, enregistrer votre compte personnel, puis lier directement votre compte Token Pocket et contacter le service client pour pouvoir soumettre votre liaison. Et enfin, sélectionner les tâches, effectuer les tâches et directement gagner des revenus. Donc, la plateforme permet de gagner des revenus en effectuant des tâches directement retirables sur nos portefeuilles électroniques qui est Token Pocket. Alors, nous avons téléchargé Token Pocket et nous allons procéder à la liaison de notre compte Token Pocket avec cette application. Vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs tâches qu'on peut effectuer. On a les tâches Amazon, Target, Walmart, Lazada, Shopee, Alibaba, eBay et bien d'autres encore. Donc, on a assez de tâches qu'on peut effectuer. Alors, on nous dit ici que les tâches Amazon font du 0,10 $, les tâches Target 0,15 $, les tâches Walmart 0,20 $, les tâches Lazada 0,25, ainsi de suite jusqu'aux tâches eBay qui vont jusqu'à 0,42 $. Donc, directement maintenant, on va chercher à pouvoir lire notre compte TetherTax avec notre compte Token Pocket.
Donc maintenant, on va se rendre sur Token Pocket et on va effectivement créer notre compte. On nous demande ici que nous venons de nous connecter avec une plateforme décentralisée. On nous demande ici si nous avons un compte pour pouvoir l'importer. Comme nous n'avons pas de compte, nous allons dire non, créer maintenant. Donc directement, on va aller créer notre portefeuille électronique. On va aller sur acheter wallet. On va aller sur acheter la wallet. On nous dit d'entrer notre nom. On va entrer le nom. On va entrer le mot de passe. On va répéter. Puis on va entrer notre mot de passe optionnel. Et après, on va confirmer. Directement, nous avons créé notre compte sur Token Pocket. Ok, directement, nous pouvons voir les différentes crypto-monnaies qui peuvent être interchangées sur cette portefeuille électronique. Donc, nous allons chercher maintenant à pouvoir lier notre portefeuille électronique avec notre plateforme de génération des revenus, du gain de crypto-monnaie. Donc, nous allons directement nous lancer. Nous allons rechercher ici l'adresse de notre portefeuille électronique et nous allons directement aller inscrire cette adresse sur notre plateforme. Donc, on va prendre ceci. On entre sur la crypto-monnaie en détail. On passe sur ici et directement on copie notre adresse et on se rend directement sur notre plateforme et on va directement lier ou encore coller notre adresse qu'on a eu à copier ailleurs ici. Et directement, on va valider sur Next. On dit Successful Submit Waiting for Review. Donc, on nous demande d'attendre que notre compte soit vérifié pour pouvoir continuer. On va appuyer sur OK. On dit ici Authentication is processed. Please wait shortly. Will our system handle it? Donc, on va légèrement patienter en attendant que le compte soit confirmé. Alors, directement, comme le compte n'a pas été directement validé, on va aller dans Personnel pour pouvoir directement valider notre compte, notre adresse qu'on vient d'inscrire. Donc, cela nous permettra d'aller un peu plus vite et de pouvoir valider notre adresse qui vient de notre portefeuille électronique Token Pocket. On va aller sur Personnel. Sur Personnel, on va aller sur Help Center. On nous dit comment puis-je vous aider à propos de Data Tax. Alors, on va directement mettre valider mon adresse email. Ok, on va envoyer. On dit renseigner votre adresse email pour être notifié. Donc, on va directement mettre notre adresse email. Et après, on nous dit également entrer votre message. Donc, on va mettre valider mon adresse token. On va mettre le nom de Token Pocket. Thank you.
clique effectivement sur notre adresse de portefeuille qui a été confirmée. Et une fois cliqué dessus, on clique sur le portefeuille lui-même et on appuie sur confirmer. Alors ça nous demande directement d'ouvrir notre portefeuille électronique pour pouvoir confirmer la maison. On va appuyer dessus et on nous dit ici que la visite du portefeuille vient du site des taxes. Est-ce que nous acceptons cela? On va appuyer sur Again. Alors directement, on attend la vérification et une fois arrivé ici, on va accepter et on va mettre sur I know and I agree. Tu connais et j'accepte. Puis on va donner les détails de la transaction. On va directement confirmer. Et on demande notre mot de passe. On va mettre le mot de passe que l'on a eu à mettre sur le site lors de la création. Et on confirme. Ça, c'est une des étapes les plus difficiles. Et on dit directement. Successful link your crypto wallet to claim rebate from data tax. Ok, on nous dit que nous avons avec succès lié notre portefeuille électronique avec data tax. On va appuyer sur OK. Donc on va appuyer sur launch. Ok, et directement on se retrouve sur le menu tax. On se retrouve sur le menu qui peut nous permettre de pouvoir maintenant faire des placements, effectuer des tâches et maintenant gagner des revenus à travers ces tâches-là, à travers ces placements que nous allons devoir faire. Ok, maintenant nous allons directement voir comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir faire, je dis encore, pour pouvoir faire nous le retrait de notre site de taxes pour pouvoir envoyer notre argent dans notre compte Token Pocket. Alors nous avons eu à envoyer déjà une somme de $10 de Token Pocket, comme vous allez pouvoir le voir. Nous avons déjà eu à envoyer, comme vous le voyez à l'image, une somme de $10 qui a coupé pour frais une somme de $1 USDT. Et maintenant nous allons chercher à voir comme somme totale dans notre compte Token Pocket une somme de $10. Donc on va envoyer encore $2 qui coupera pour frais une somme de $1. Alors observons comment cela se fait. On va d'abord aller sur le site, on part sur le site officiel de Tether Tax et sur le site on va mentionner le nombre de dollars qu'on va envoyer qui est ici un minimum de $USDT. Donc on va écrire ça, on va écrire 2 et après on va remplir notre mot de passe. Une fois le mot de passe rempli, on va directement cliquer sur confirmer. Alors success, alors on nous dit ici success, donc notre argent a été envoyé tranquillement, notre argent a été vraiment envoyé de notre compte Tether Tax pour notre portefeuille électronique qui est Token Pocket. Directement dans notre compte Tether Tax, on va constater que on a ici là notre balance du wallet, notre balance de notre portefeuille électronique qui est à 10 USDT. Donc on a effectivement reçu notre premier retrait vers notre portefeuille électronique et cela nous permettra de pouvoir effectuer des tâches, cela nous permettra d'effectuer des placements sur des tâches Amazon et une fois effectués ces placements, nous allons pouvoir gagner de l'argent. Donc vérifions notre Token Pocket, on va voir que notre argent a augmenté. Donc maintenant revenons, comme je vous l'ai dit, effectuons des tâches et gagnons des commissions par rapport aux tâches qu'on peut effectuer. Donc on va essayer d'effectuer des tâches Amazon. On va cliquer sur Amazon et directement ça prie. Waouh, c'est vraiment du waouh. Donc on va essayer d'effectuer une des tâches qui coûte juste 10 USDT. Et une fois effectué la tâche, on saura qu'on aura une commission, comme vous pouvez voir ici, de $0.04. Et c'est un peu pareil partout. Donc, on va choisir une seule tâche. On va choisir une seule tâche qui coûte $10. On choisit la première tâche, par exemple, et on nous dit « succeed ». Alors, directement, on a choisi une tâche à effectuer. Et maintenant, si on essaie directement d'acheter cette tâche,
on va pouvoir obtenir, comme vous le voyez ici, un pourcentage de 0,04 USDT de bonus. Donc c'est vraiment génial, l'application nous permet de gagner un peu de revenus, ça nous permet de gagner vraiment. Donc il n'y a pas de doute sur ça, on va juste cliquer sur purchase. Alors sur purchase, on dit statut successful. Donc tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. On a pu faire notre premier placement d'argent dans l'application et ce placement d'argent nous permettra de gagner des gains. Donc directement, vous allez voir que si je me retourne et que je me rends sur mon compte, on va rafraîchir ici. On va nous dire ici que alors nous avons comme nouvelle balance 0,04 USD et de bonus. Et notre balance wallet est toujours à 10 USDT. Donc c'est vraiment génial. On peut faire comme ça avec 10 tâches. On va encore aller choisir une autre. Success. On part, on fait pushes. Cool. Donc c'est vraiment cool. On gagne vraiment de l'argent avec cette application. On gagne de la crypto-monnaie avec cette application. Il n'y a pas de concurrent. Donc c'est vraiment génial. Gagnons des crypto-monnaies. On va encore faire l'autre. Donc troisième tâche. Et suivez juste comment je fais les tâches jusqu'à la fin de la vidéo. Donc la seule condition, c'est d'avoir 10 USDT dans son compte Token Pocket, donc dans son portefeuille électronique, et le reste, ça ira très bien. Vraiment génial, nous sommes déjà à 0,28 de bonus. Donc on va continuer ainsi. Hop. Alors, on nous dit que la limite est atteinte pour aujourd'hui, qu'on revient demain. Alors, vous voyez exactement comment ça marche. Abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur la cloche de notification. Continuons à gagner de l'argent ensemble. Merci. Ouais.